dans la tête de l'autre, là. Tu sors pas l'autre de la TV, là. Nathalie! Kevin! On veut dire. Nathalie! Madame Termotte! Allô, chef! Nathalie! François Pirette, voilà, tu sors pas François Pirette. Faut pas m'en vouloir si je ne décroche pas le téléphone le mardi soir. Faut pas me téléphoner le mardi, je regarde The Voice. Hein. Ça, oh, c'est beau, hein, j'aime bien, j'aime bien. Il faut dire qu'ils avaient fait beaucoup de publicité, t'avais envie de regarder avant même qu'on savait ce que c'était. Hein. Moi, quand j'ai appris que Lio allait aller dans une émission où on allait apprendre à chanter, je me suis dit, à son âge, c'est courageux. Franchement... Non, non, elle est juge. Lio qui juge des chanteuses. C'est comme si on demandait à Gilbert Montagnier de juger du patinage artistique. Quoi, tu vois, c'est... J'avais dit, ça ne marchera jamais. Et finalement, on se laisse prendre, c'est bien, hein? Oh, j'aime bien. Le mardi, je suis comme ça, je regarde l'heure. Je veux voir. Je l'enregistre, je le regarde encore après. Écoute, c'est pour te dire à quel point je suis obsédé par The Voice. J'ai rêvé... Tu parles d'un cauchemar. J'ai rêvé que j'étais présentatrice de l'émission. Quoi? Ben, c'est mon rêve, je fais ce que je veux. Attends. Mais c'était un cauchemar. Je vais te raconter, tu vas comprendre. J'étais la présentatrice de The Voice. Bonjour les amis, bienvenue à The Noise. Oui, parce que dans mon rêve, c'était The Noise. Oui, c'était une autre émission, c'était dans mon rêve, donc j'avais fait ce que je voulais dedans. Oui, The Noise, une émission où on se fout éperdument de la voix des gens, on ne juge que le physique. Oui, parce que c'est une émission, vous connaissez le concept. Le jury a un casque sur les oreilles avec du bruit qu'on leur envoie comme ça, hein, qu'ils ont peut-être assis. Donc, ils n'entendent rien de ce que les talents leur proposent. Ils ne jugent que le physique, c'est The Noise. Une émission qui a fait ses preuves à l'étranger, puisque c'est quand même une émission qui a consacré Justin Bieber et Lady Gaga et qui est passée à côté de Suzanne Boyle et de la chanteuse Adele. Ah, The Noise! Aujourd'hui, notre jury de The Noise, je vous propose Tintin Musselman. Le duo Chihuahua. Chi et Wawa. Milo. Et celle qui essuie tout, Papier Scott. Je vous rappelle le principe de l'émission. S'ils ne supportent pas le physique des candidats, ils peuvent se retourner. On ne juge que le physique et surtout pas la voix. Notre première candidate, notre premier talent de ce soir, je vous propose d'accueillir Adixia. Je le fais bien, hein? Adixia, qui va nous chanter? On s'en fout. On ne juge que le... On s'en fout, éperdument. Ils jugeront que le physique. À mon avis, vous êtes bien partis pour aller en finale. Mais c'est une chanson de qui? Whitney Houston. Whitney Houston, Tristan.
Et dans mon rêve, j'étais triste tout d'un coup parce que avec Gérard, on s'est rencontrés sur Whitney Houston. Enfin, sur une chanson de Whitney Houston. Parce que quand il y en a qui disent « Nous, on s'est rencontrés sur DSK », il n'est pas chanteur, hein? Bon. Tu vois ce que je veux dire. Eh bien, Adixia va nous chanter, on ne sait pas quoi, on s'en fout, de Whitney Houston. Quand je te disais un cauchemar, hein? Elle ne vous plaît pas, cet enfant-là? Qu'est-ce qu'elle vous lui trouvait qu'elle n'a pas la bien, elle a toute bien? On ne juge que le physique. Ça va venir! Ça va venir! Ça viendra! Mais elle a été choisie par Chihuahua et par Tintin Mosselman! Elle reviendra en deuxième semaine! Bravo! C'était Adixia! Adixia! Et dans mon rêve, dans mon rêve, ça n'en finissait pas. Faut dire que c'était un samedi, je pouvais me lever plus tard. Donc, dans mon rêve, il avait une autre candidate qui arrivait, rien à voir. Et maintenant, deuxième candidate, deuxième talent, Maria B. Bravo! Dans mon rêve, tu n'étais pas là, hein? Tu rentres dans le rêve des gens assez, toi, tu pourrais frapper. Maria D. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. De bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, l'as juré pour la vie. Et dès que je t'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. La 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 la. Dans mon rêve, il n'y avait personne qui voulait d'elle, je me demande bien pourquoi, franchement. Hein, sauf Tintin Mosselman qui repart avec vous. Au revoir, Maria D. Merci. C'était The Noise. À la semaine prochaine pour d'autres blindes.